Madame, Monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial SILA sur Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité ici en Haïti, ancien sénateur élu Grand Anse Guy Philippe rivé dans la capitale pays d'Haïti qui se Port-au-Prince avec un pile attente finalement ancien et sénateur li foulé capitale là côté un pile monde tapton et au tap douté au tap fait qu'on est. Est-ce que la carte rentrée malgré manœuvre selon Guy Philippe pouvoir en place là tape jouer pour empêcher le fouler béton et bien l'arrivée trop vigilance l'elle t'a pas décidé à le payer ticket pour le prendre avion et gouvernement selon ça Guy Philippe dit t'a pas décidé pour interdit vol yo et lui-même qui t'a pas jouer un autre coup l'elle monter et l'enmer pour lui-même l'arriver dans capitale là c'était avec un pile la contentement divers moun te décidé pour tal bay Guy Philippe yon ben de foule côté li même li te rivé dans commune Pétionville l'elle te passé sous place Boyer ak place Saint-Pierre dans commune Pétionville et bien c'est dans cadre mobilisation pour jeter et premier ministre Ariel Henry qui lui même sous tête et primatien depuis environ 30 mois c'est dans l'année 2021 après assassinat Jovenel Moïse premier ministre Ariel Henry qui était déjà désigné comme premier ministre par ancien président et bien lui-même t'apprale wè li vin chef Guy Philippe depuis le li retourné dans pays d'Haïti côté saute passé environ 6 l'année dans prison aux États-Unis t'apprale décidé mesdames et messieurs pour que li lancé et question révolution pour échavirer système ça qui là et lui-même Guy Philippe li dit pas gain et campé y a continuer bataille jouk Miami pour et bien demain meilleur dans pays d'Haïti il rentrer pour vinn porter solidarité avec peuple là Jean t'a annoncé li rivé dans pays et d'Haïti toujours dans cadre mobilisation yo mesdames et messieurs qui t'en dit ou et manifestation pas camper contre gouvernement jeudi mardi 6 février 2024 là jouji moins et diverses organisations politiques t'es foulé béton pour exiger départ premier ministre Ariel Henry lui même selon moun sa yo qui sont incompétents qui pas régler en et dans tête pays a et yo appuyé sous article 20 et accord 21 décembre pour que yo dit Ariel Henry c'est lui même qui te dit l'ab d'accord pour l'aller 7 février 2021 pendant le t'a organiser élection pour mettre un président élu dans tête pays a ça qui pas arrivé fait et bien moun sa yo dit et bien Ariel pas capable bénéficier propre négligence li Moïse Jean-Charles tenant la rue même j'ai avec Claude Joseph yon l'autre fois encore qui foulait béton pour exiger départ premier ministre Ariel Henry et mais c'est toujours dans même et cadre figi ça mesdames et messieurs faut que nous dit nous gagner et bien moun qui arrivé perdu la vie dans et Wanamet côté te gagner mouvement qui t'a fait et bien t'a pral gagner barricade qui mettait et bien t'a pral gagner tout monde qui a passé sous moto qui pral arriver victime dans barricade qui te mettait situation li pas différent dans troisième ville pays d'Haïti qui c'est Okaï côté la police t'a tiré deux monde qui t'a manifesté avec plusieurs l'autre qui blessé dans même mouvement yo côté objectif là c'est 7 février 2024 pour premier ministre lui-même li quitter tête primatia pour l'autre monde et bien capable venir remplacer et résoudre problème sécurité qui gagne dans pays depuis un bon bout de temps pour ne citer parole Moïse Jean-Charles qui déjà parlé là et parlé avec divers secteurs pour que gagne un nouveau président encore un nouveau chef en tête pays d'Haïti côté l'a gagné pour le passer 18 mois et dans 18 mois ça l'a gagné pour gérer problème sécurité à organiser élection pour un président élu capable monter dans tête et bien pays d'Haïti qui t'en dit dans international là un coup d'appel dans
pays États-Unis décidé retirer immunité ancien président américain Donald Trump côté gagné gros accusation qui était posé sous dol dans cadre élection 2021 yo, côté après défaite dit mesdames et messieurs n'a parlé de Donald Trump contre et président Joe Biden eh bien Congrès a t'a parlé gagné gros ac et gaspillage et déblousage Jean Takabadil qui était pété et Donald Trump c'est un monde qui t'a impliqué dans dossier ça selon et divers rapports eh bien non sans ça et coup fédéral ça il décidé retirer immunité présidentielle ancien et président Donald Trump. L'autre point dans actualité a toujours dans international là secrétaire d'état américain Anthony Blinken toujours dans Proche-Orient dans cadre viréon qu'a fait pour joindre une entente dans bataille qui gagne entre Israël et Hamas depuis environ et 4 mois eh bien c'était 7 octobre 2023 bataille ça t'a pas déclenché les militants Hamasio t'ont envahi Israël et après attaque ça Israël t'a pas contre-attaqué et depuis là c'est moun cap tombé dans Moyen-Orient eh bien diverses organisations diverses personnalités à travers le monde levé voix pour demander yon cessez-le-feu pour que bataille ça li fini mais autorité israélienne pardon, yo continue à faire tête raide objectif là c'est éliminer eh bien militants Hamasio et même et éviter existence état palestinien dans sens ça les États-Unis lui-même qui prend dossier ça le mettait sous dol un secrétaire d'état américain qui trouvait dans Moyen-Orient depuis en dit dans Proche-Orient depuis 2 jours pour que lui-même li garder s'il capable et parler avec diverses autorités dans Proche-Orient pour joindre une entente avec autorité israélienne pour camper bataille ça dans et Palestine mesdames et messieurs côté déjà gagné à peu près 10 000 monde qui perdit la vie ti monde kou grand monde pas épargné dans bataille si là côté l'armée israélienne décidé pour finir avec militants Hamasio qui dans Gaza l'autre point dans actualité a procès ancien défenseur FC Barcelone Dani Alves international brésilien lui-même a continué dans ville Barcelone côté était gagné accusation viol qui était porté et contre citoyen ça et bien dans cadre dans nous disco il était allé t'a pas gagné une demoiselle qui te dit que Dani Alves agressé et en prison ça fait un bon bout de temps et procès a qui sous deuxième juli dans ville Barcelone Prince Ayo avec un pilote n'a invité au suivre sous la voix de l'Amérique pour plus détails Jacques Lambelizier, yon plaisir l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien qui est un grand point cap dominé actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, levé campé anti-gouvernemental continue dans Port-au-Prince et dans quelques villes provinces côté manifestants a demandé démission Premier ministre Ariel Henry. États-Unis, un coup d'appel fédéral décidé jeudi Madia, ancien président Donald Trump pas qu'à jouer immunité présidentielle devant accusation déblosaille sous Congrès en janvier 2021 après défaite li dans présidentielle 2020. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a continué yon tournée dans Proche-Orient pour joindre yon trêve dans le combat entre Israël et Hamas et puis procès viol contre ancien international brésilien Dani Alves continue jeudi Madia dans ville Barcelone en Espagne. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous parle développer pour dans yon petit moment mais actualité a mené nous d'abord dans pays d'Haïti côté levé campé contre gouvernement a continué dans capitale là et dans plusieurs villes provinces côté que manifestants yo a demandé démission Premier ministre Ariel Henry. Nous allons rejoindre Massado Vilme correspondant dans Port-au-Prince qui ba nous yon idée. Justement Jacques Lebelizer qui j'ai une situation hier faut que nous dou dans occasion 3e journée mobilisation qui annoncée pour demander Premier ministre Ariel Henry ensemble avec gouvernement lien pour quitter tête pays faut que moi dou par rapport avec une vidéo qui très virale sur réseaux sociaux qui montrait ancien chef rebelle Guy Philippe lui-même qui t'a salué quelques citoyens dans au niveau de commune Pétionville faut que nous dou que c'est une vidéo qui suscitait mobilisation au niveau capitale là côté gagné plusieurs chauffeurs moto yo même qui prend la rue yon façon pour yo capable applaudir ou bien accueillir présence ancien chef rebelle là Guy Philippe dans capitale là Yeah!
dans moment n'a parlé ensemble avant là faut que nous dire que situation il toujours été très tendue puisque au niveau des autoroutes Delma eh bien route là toujours été bloquée. Une situation que nous-mêmes nous avons suivi depuis capitale haïtienne. Moi, c'est Massado Vilmé pour faire la créole. Et oui, effectivement, Massado Vilmé continue à garder pour nous ce qu'a fait dans la capitale là et même dans Pétionville, dans la zone Musso, côté que Primature là est trouvé. Il y a par exemple leader Petit Dessalena, ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui était en tête une manifestation. On a rejoint encore Massado qui a ban nous une idée de situation avec image. Voilà, zone internet la voie américaine. Là, nous sommes dans une zone immature. Et bien, nous avons une foule immense qui a avancé. Et dans le moment, il y a un ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui est dans cette manifestation qui a tenté de traverser le périmètre de sécurité pour être capable de délivrer un message devant la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry. Et bien, les forces de l'ordre eux-mêmes ont lancé un pile gaz lacrymogène pour être envahi, pour être évacué foule là eux-mêmes qui était trop devant eux. Et bien, il faut que nous disions. Et en pile dans manifestants, il y a même eu les vives des sacs à bas la police. Gaza, il passe sur l'autre limite. Ça, il passe sur l'autre niveau. Il voit, c'est un caisse allemand. Wally, c'est un caisse allemand. Non seulement t'es quel, monsieur. Non seulement 16 points, hein. Un coup qui était la croix et la rue, excusez. Un coup qui était la rue, montré. Le corridor, on a qui dit vaut mieux là, jamais de monsieur va faire mal. Donc c'était une idée de qui j'ai situation dans Port-au-Prince, dans Delma et dans Pétionville. Mais pourquoi il y a une réaction qui sortit officiellement bon côté gouvernement, bon côté Premier ministre Ariel Henry, pendant ce temps que Port-l'école qui fermait, circulation ben, déroulée au ralenti. Nous allons rejoindre Yves Manuel. Un peu suspense dans Port-au-Prince à l'approche 7 février 2024 là, date Premier ministre Ariel Henry t'a dû remettre pouvoir à une nouvelle équipe qui sortit dans l'élection. Plus passé 2 années après assassinat ancien président Jovenel Moïse, gouvernement pas arrivé créer conditions pour élection réalisée en un pays à, dans l'idée pour remettre sous pied institution démocratique yo. La veille date 7 février, porte l'école yo fermée, commerce, circulation a fonctionné au ralenti. Alors que dans divers quartiers dans la capitale haïtienne, coup de balle pas suspendu chanté. Équipe gouvernementale la POCO dit rien par rapport à 7 février, côté selon consensus 21 décembre 2021, l'État doit être sur la colle. Parallèlement, Premier ministre Lan, qui fait silence sur date historique 7 février, installé journée lundi en primati, membre conseil supérieur salaire à conseil administration organe sécurité sociale. Selon Ariel Henry, gouvernement Lan doit assurer fonctionnement réel toute instructive protection et promotion sociale. Yo. Cérémonie traduit politique gouvernement qui visait équilibrer relations entre patronat et salariat pendant qu'il a garanti droit sécurité sociale. C'est en tout cas déclaration Premier ministre là, dans ces circonstances-là. Pendant ça, il y a un pile incertitude dans la population. La couleur annoncée tout côté en un pays pour exiger démission Premier ministre Ariel Henry. Plusieurs villes réveillées sous tension. Grand bonnet na matin, mardi 6 février. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour Véroa Créole. Donc le campé a pas seulement été dans la capitale la Port-au-Prince, Liga et tout dans quelques villes province, notamment nous pral dans Jérémy dans département Grand-Anse pays à côté que gain deux gros barrières qui séparent ville là avec Respeya. Nous gain sous place Mackinson Charles. À des jours de 7 février, qui c'est une date historique pour le pays d'Haïti, activité yo paralysée totalement sur ville Jérémy, journée lundi 5 février 2024 là, côté même route qui menait dans l'aéroport, et en même temps menant dans la commune Bombo à Cabrico, bloqué à cause d'une barrière qui soudait sur route si là. Quelques citoyens décident d'avoir opinion yo sur date 7 février qui pral arriver là, dans le moment côté mobilisation contre le gouvernement Plastac continue à travers le pays. Hein. Mon cher, nous venons de là, mon cher. Et pas pour Ariel, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes avec tout le monde qui a fonctionné dans le pays. Ah ouais, ça qui a fait pour le pays. Si nous tous
a regardé situation pays qui connaît longtemps ou pour route pour combien de départements pas fonctionner. Ça qu'on fait pour prendre une soir pour mais c'est comment la petite président bordo parce pas aller encore. Pas aller trop avec Jérémy. C'est seul nous même qui dit comme on dit là pas là dit là qui année. Nous ça on fait payer comme petite dehors pour pas petite madame mariée. Et puis là que président de mourir pas moi courant. Ça veut dire petite dernier pour pas petite gouvernement ça 7 février Ariel pour voir ça. Souhaite là-dedans n'a projet pour dépôt là. Jean-Pierre Alcindor, qui est président Société Développement Grandens, croit faut nous utiliser ressources naturelles noyo pour développement paysan. En même temps, il croit dans révolution ancien sénateur de Grandens Guy Philippe. Nous allons tourner avec développement endogène dans pays à utilisant les ressources naturelles dont nous disposons pour nous faire développement dans pays à. Comme vous connaissez moi-même, c'est président Société de Développement de la Grandens, Sodevga Haïti. Écoute, idéologie et révolution ou changement radical là li entré très fond dans l'idéologie sur Sodevga Haïti ya son pas capable supporter d'autant plus que nous voulons une Haïti libre faut libérer pays ya et tout haïtien qui conscient de situation pays ya de situation la vivre là doit prendre toute disposition pour supporter Guy Philippe et révolution qu'a fait là. Faut que nous signaler, produits première nécessité ont déjà monté 17 hôtels à cause situation insécurité qui gagnait dans Mariani qui arrivait faire impact sur monde qui a vivre dans grand site pays d'Haïti. Depuis Jérémy Mackinson Charles pour VOA Créole. Donc ta nous dit là dans province tout gain levé campé côté gain monde même qui mouri, nous pral dans Wanamet côté gain deux monde qui mouri. Population dans première section Maribao, commune Wanamet, sous pont rivière Djassa, levé joigne cadavre deux jeunes garçons, bien bonnet matin mardi 6 février 2024 là. Selon explication, moun qui était dans zone là, qui pas te vle voyou enregistré dans la presse bay, accident ça a fait parce que moun yo pas connaît sous des pont rivière Djassa, bien tard dans la nuit hier lundi 5 février 2024 là. Deux victimes yo Nicodème Senatus ak Dorelas Louisin qui était sur une motocyclette qui t'a couru en pile t'al frappé dans un gros fer yo t'ai utilisé pour soudé pont a. Après constat légal yo famille victime yo t'ai levé cadavre yo al déposer yo dans morgue. Ça qui passé a la cause gen moun ka plaignen qui montré yo pas d'accord ak façon protestation yo a fait là. Pendant temps ça, série levé campé yo après possible contre pouvoir en place là. Route nationale numéro 6 là toujours continuer bloqué dans niveau trou du nord, Malfetti, Jos Rivé Wanamet. Jodelin Junior Saint-Ville depuis Wanamet pour VOA Créole. Donc n'a prêté toujours dans province pendant ce temps nous gain contact avec Port-au-Prince qui fait nous connaître que agent Bessapio yo trouvé dans Petionville n'a pour nous retourner sur sujet ça mais nous prenons dans Okay côté que gagné yon moun qui nous mouri nous gain sous place Jean-Ernst Eliscar. Yon moun mouri 4 autres blessés ak balle c'est bilan manifestation faite Okay journée lundi 5 février 2024 là. Manifestants qui étaient plusieurs milliers prend la ria pour demander départ premier ministre Ariel Henry. Il faut un forum pour toute partie politique, toute organisation politique, Mossala, Fospep, Lide Saline, Ede, Lavalas, Téréunion, Samson, Seldabla, Rossus, pour nous dire aujourd'hui, désormais, pas garantie de là que Ariel lui-même, il n'a pas aucune marge de manœuvre pour te soumettre. Effectivement, nous répondons présents à l'appel, population en train de modèle, lui recevoir modèle et nous mener l'opération de fermer au cas réellement. Et demain matin, c'est l'un matin où on va crier victoire, côté que Ariel Henry, pas arrêté. Non, je dis à nous te dire, depuis où nous ne pas sorti, sonne en gang, ou bien pas dans le pays. Mais tout le monde a sorti, c'est parce que nous avons souffert, nous ne sommes pas capables encore. Matin, nous te dis dans la Radio Caraïbe, nous même au niveau de la mobilisation, nous disons nous ne pouvons pas faire back, nous ne pouvons pas camper, c'est bataille dans la bataille. Sans camper. Pendant parcours, manifestation, la police a utilisé gaz lacrymogène et tiré plusieurs cartouches. Pour gagner manifestation, une situation qui est révoltée, quelques manifestants. C'est quoi la police nationale? Les faire, n'a pas de jouer là en cowboy. Parce que nous avons une manifestation pacifique, nous avons une police nationale, nous avons un procès, nous tirer sur nous, nous avons un gaz. Jusqu'à maintenant, là, nous avons un négro qui parle. Nous avons tous dans nos corridors là, nous avons un juste côté sa blague. C'est pour localiser quelques polices qui sont dans le masque là, pour commencer à faire un job pendant tout. Parce que nous avons manifesté à l'amiable.
la victime de ça. Manifestation, ça a été une petite, tout le temps. Nous pas manquer police légale, nous partir sur police, pour faire la pause, pour le président Ariel, qui est facto. Nous, là, pour nous quitter béton, si c'est pour ça, si le président pays n'a pas quitté béton, 6 février à minuit, nous, là, pour nous quitter le 31 décembre, 2025. C'est ça, nous disons. N'a pas signalé. Toute activité était paralysée journée lundi 5 février 2024 là dans ville Okaï. Jean-Ernst Eliska VOA Créole Okaï. N'a quitté Grand Sud là côté que nous sorti dans Jérémy, nous sorti dans ville Okaï, nous pral konya dans deuxième ville pays, nous pral dans département Nord avec Gérard Maxino cap banon idée de lever campé anti-gouvernemental dans Okap. Voilà, ou sous VOA Créole, ou suivi un programme dans langue créole haïtienne. C'est ton idée de ça qui a passé, mouvement levé campé, dans ville au Cap, dans deuxième ville, pays d'Haïti. Merci d'être choisi nous pour informer vous. Merci d'être toujours resté branché. Nous dans Washington. D'abord, ici aux États-Unis, président Joe Biden fin que saute parler là sous négociation à Congrès qui gère rapport avec immigration, qui gère rapport tout avec frontières. Sandra Lemaire a suivi pour nous discuter ça. Président Joe Biden admet mardi que projet loi bipartisan pour sécuriser frontière pays a et puis bay Ukraine assistance financière bloqué dans Congrès. Dans parler il était fait avec journaliste yo mardi dans la Maison Blanche, Biden blâmé rival li ak prédécesseur li ancien président Donald Trump pour ça et il mandé Congrès pour yo mettre garçon sous yo. Now all indications are this bill won't even move forward to the Senate floor. Why? A simple reason. Donald Trump. Les écoutes ont toutes indications ont montré projet loi pas même arrivé dans le Sénat. Pour qui ça? Réponse l'en simple. Donald Trump. Parce que Donald Trump, ouais, il n'est pas bon pour lui politiquement. Donc, qui mêle ça si ça aide le pays? Il n'est pas d'accord. Il a plutôt servi à ça comme zame politique au lieu de chercher à résoudre le problème. Il semble qu'ils caving. Frankly, they owe it to the American people to show some spine and do what they know to be right. Li dit donc pendant 24 heures qui sont passées, monsieur pas fait rien excepté les parlementaires menacer et puis craponner pour faire voter contre l'ansar et puis semblé yo ba monsieur le gain. Mais franchement, yo doué montrer peuple américain yo gain cran et puis fait ça yo connaît qui correct. Biden décrit projet loi tant qu'une victoire pour États-Unis parce que les dit les gain là-dedans diverses mesures pour corriger problèmes qui existaient dans le système immigration. Le président dit ça pas veut dire aux vagues sur réforme dans le système immigration. Les dit plan proposer moyen légal pour jeunes migrants y aurait les rêveurs yo, dreamers yo tourner citoyens américains tout bon vrai. Projet loi a gen la donne politique pour réduire quantité moun k'ap traverser frontière Mexique là illégalement et puis tout disposer 60 milliards dollars assistance pour Ukraine à plusieurs dizaines milliards dollars assistance pour Israël ak l'autre allié États-Unis dans Asie. Gen l'argent tout pour moun k'ap travay dans système immigration les États-Unis et puis assistance humanitaire pour civils dans Gaza ak Ukraine. Biden dit si projet loi échoue vraiment vrai, il vient pour peuple américain qu'on est pour qui ça.
Impasse ça menacé une potomitan politique étranger Biden nan, qui s'est empêché président la Russie Vladimir Poutine avancer pi plus en Europe. Biden lancé avertissement par républicain au nan Congrès pour dire monde là à suivre. Il dit si États-Unis pas appuyer Ukraine dans moment critique ça, le monde pas jamais oublier ça. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra, n'a prêté toujours dans affaires immigration après que yon vidéo qui montrait un groupe migrant cap goumen avec la police dans New York City. Eh ben gen officiel New York yo dans une conférence pour la presse prend l'autre disposition. Plus détails avec Valerio Saint-Louis depuis New York. Une vidéo qui montrait un groupe immigrant cap goumen avec la police dans Times Square Manhattan New York a déclenché un paquet de débats avec mécontentement politique qui était là déjà sous manque de coopération entre la police locale là avec autorité fédérale immigration dans ville New York là, un problème qui existait depuis longtemps. Caméra surveillance là qui était enregistré incident ça qui était passé dans date 27 janvier devant un local pour sans-abri dans Manhattan montrait plusieurs messieurs qui t'a shooté un officier police balle coup de pied dans toute colle à terre sous trottoir la ria. Vidéo a été montré tout côté que plusieurs jeunes t'a essayé retirer un autre jeune garçon que la police l'a t'kembé dans main officier la police là à terre. La police a arrêté 7 immigrants en rapport avec l'incident. Gen yon nan yo que la justice pat kembe aucune accusation contre lui parce que yo dit que pat participer nan attaque la. Pat gen aucun monde qui était sérieusement blessé, mais vidéo qui montre côté immigrant ou tap bat officier police la créé une vague indignation publique. Plusieurs moun te fâché pour ça et colère ou te dirigé sous prosecuteur ensemble avec système tribunal la qui te libéré immigrant qui te fait attaque la sans condition pendant que yo attend jugement yo. Officiel ville New York te parlé plusieurs fois déjà sous situation ça à comportement des dizaines de milliers de monde qui a cherché asile dans ville là et qui ont été arrêté dans abri provisoire à hôtel pendant année qui sont passé là. C'est une situation qui a commencé à créer une chirépite entre officiels la police New York là et activistes défenseurs immigrants dans ville là. Hier lundi à nos conférences pour la presse, commissionnaire la police Edward Cabin t'es dit que gagne un immigrant vénézuélien que la police t'a cherché parce que la marché volait téléphone cellulaire moun nan ville là. Commissionnaire t'a dit so recent months a wave of migrant crime has washed over our city. C'est comme ça dans dernier mois yo un vague crime qui fait par immigrant t'est envahi ville noire, mais ça pas veut dire en aucune façon que moun qui t'est commettre crime yo représenter gros quantité moun qui vinn dans New York là pour bâtir yon la vie meilleure. Département de la police New York là pas de cabaye plus détail pour supporter accusation ça yo sous vague crime que immigrants commettent. Cependant, la police ak officiel vidéo te dit que yo pas de capable bay plus détail avec preuve, c'est parce que villa lui-même pas retracé zak crime yo selon nationalité suspect yo. I want to reiterate the overwhelming number of 170 plus thousand migrants and asylum seekers. Magistrat ville New York là Eric Adams dans conférence pour la presse là hier lundi, t'es noté que vaste majorité dans presque 175 000 immigrants qui te vinn dans ville là, yo respecté la loi. Il te dit que le pas bon tout pour New Yorkais, yo garder moun k'ap essayer accompli prochaine étape là dans rêve américain comme yo criminel. Il te rapoursuit pour le dit. Those who commit a crime will be treated like any other criminal. Mais moun ki commet crime yo, nous pral traiter yo tant que n'importe l'autre criminel dans ville ça. Pas gen ou pas voir sous question ça dans département la police là. C'est une petite minorité moun k'ap violer la loi dans ville là et puis ça vinn gen un gros impact sur sécurité publique nous. Et c'est peut-être ça, nous concentrer sur eux. Dans le jour qui s'est passé là, le magistrat Eric Adams t'a montré tout une volonté pour retirer une série de lois qui souvent empêchaient Villa collaborer avec Service fédéral renforcement immigration. Commissionnaire adjoint NYPD Police là, Tariq Shepard, dédié la conférence de presse là. Pendant que administration ça, département la police là, nous t'es toujours pris position pour nous accueillir moun k'ap vin chercher asile, mais yon fois que vous commencez voler moun pendant ou gen statut immigrant, n'ap traité comme yon criminel pour VOA Créole. Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. Toujours actualité concernant les États-Unis. Un tribunal appel fédéral décidé jeudi Madia que ancien président Donald Trump pas qu'à jouir de immunité présidentielle pour accusation qui tombait sous dol pour déblosage qui était faite dans le Congrès en 2020. On a loué ça plus près et avec Sandra Lemaire. Pas Sandra Lemaire, avec Serge François Michel. Et en cours d'appel fédéral décidé jeudi médian, Donald Trump pas gain protection devant la justice, qui donc immunité, face à l'accusation qu'il démarrait complot pour chavirer des fêtes lignes à l'élection 2020, ça qui mettait ancien président états-unien,
Puis près, il y a un procès criminel, bagaille qui va déjà me fait en vent. Il y a un panel 3 juges dans le coup d'appel circuit fédéral Washington DC, rejeté par Old Trump comme quoi. Il n'y a pas qu'à juger, là, parce que l'accusation a un rapport avec responsabilité officielle comme président. Décision tribunal là, que Trump ciment pour le poter en appel, repoussé et folie pour éviter un procès en bas accusation qu'elle était minée démocratie états-unis avec tradition pour transfert pouvoir. Même l'aile consolidée positionnée comme candidat qui devant pour nomination présidentielle parti républicain. To authorize the prosecution of a president for his official acts would open a Pandora's box from which this nation may never recover. Avocat Trump a dit, ancien président gagne toute protection légale et que tribunal pas qu'à faire procès criminel contre yo pour action officielle yo. Tout autant, chambre députée a pas te reconnaître yo coupable et depuis Sénat pas te rouette yo dans pouvoir. Chambre députée a te reconnaître Trump coupable deux fois, mais à chaque fois yo, républicain ou dans Sénat te joint à ses voix pour rejeter accusation yo. Jijio est centré sur tout ça qui entrait dans parole Trump là, dans un jugement 9 janvier passé. Côté au questionné, il y a un avocat Trump pour sa question pour connaître si même il y a un président qui était passé l'ordre pour commando à l'assassiner un rival politique qu'a évité procès criminel contre lui si Congrès a pas agi sur ça d'abord. Trump parlait de protection immunité plusieurs fois. Dans la campagne LIAC sur les médias sociaux, côté de posté, tout président doit gagner immunité présidentielle totale. Ou sinon, le président des États-Unis a perdu droit pour y prendre décision pour tout temps. Accusation que l'avocat spécial Jack Smith a porté devant le tribunal a accusé Trump comme quoi il était servi à faux accusation, fraude électeur. Pour mettre pression sur le parlementaire État, l'autorité de battement justice, avec vice-président Mike Pence, pour bloquer certification résultat élection. Ça, c'est un quatre procès accusation criminelle qui devant Trump, qui en a deux qui accusé lequel t'a cherché, fait confier l'eau à l'élection 2020. Trump dit accusation qu'un motif politique derrière pour gâter compagnie. Mais si le tribunal t'a rejeté défense Trump, appelle-la ta bon poli dans l'envoyé pour ces quatre masques à venir et pousser lui pour jour après élection. Pour ces à camper pour tant Trump aller en appel. Si Trump gagne élection, il ne cherche pas donner propre tête lui ou bien passer des battements justice l'ordre pour fermer dossier. Trump commande tout tribunal circuit d'ici à Cour suprême à reconsidérer décision tribunal. Ça qui prend plusieurs semaines ou bien plusieurs mois retard en plus. Serge François Michel. Ou de nous souvenir à Creole, nous prenons la situation dans la région Moyen-Orient, gain secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui continue yon virerou que l'a fait dans Proche-Orient. Jean-Robert Philippe est secrétaire d'État a gagné deux objectifs. C'est yon objectif, c'est joindre une trêve. Et puis l'autre là, c'est négocier à sous question otage qui n'a mis M. Hamas. Et puis nous ajoutons l'autre, Jacqueline, c'est possibilité pour ta gagner deux États qui vivent côte à côte. On a parlé de l'État palestinien avec Israël. Yon idée que le gouvernement israélien parle d'étendre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait chita parler avec le président égyptien, avec Qatar, dans le GFO pour générer un nouveau cessez-le-feu temporaire dans le territoire Gaza, avec augmentation de l'assistance humanitaire pour les civils palestiniens. Dans le Caire, chef diplomatie américain a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi pour discuter du GFO pour courir une trêve dans Gaza avec libération otage que Qatar avec l'Égypte est joint. M. Blinken allait dans Qatar pour rencontrer Emir Sheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani et Premier ministre Mohamed Ben Abdulrahman Al Thani pour discuter du conflit israélo-hamas. États-Unis, Égypte et Qatar ont aidé à préparer une proposition de cessez-le-feu que les parties concernées ont considéré. La proposition a gagné là-dedans une pause dans la bataille qui a presque gagné 4 mois et puis pour Hamas libérer les otages qui ont mené dans le territoire Gaza depuis 7 octobre. Une responsable placée dans le département d'État fait qu'on est ballon qu'on y a dans le pied Hamas. Responsable a dit Égypte avec Qatar pour encourager Hamas pour accepter sa États-Unis considéré comme une grosse proposition n'est pas capable de refuser. Israël prend engagement pour détruire Hamas qui a dirigé le territoire Gaza depuis 2007. Jusqu'à en visite, le secrétaire d'État Blinken a visité l'Arabie Saoudite côté de rencontrer le prince Mohamed Ben Salman le 5 février à Nangefort
pour ta gain relation entre Israël avec Arabie Saoudite en contenant te dit environ une temps et monsieur Blinken pas répondre question journaliste après rencontre si là force israélien yo annoncé mardi 6 février yo tué plusieurs douzaines militants dans camp Younis dans dernier jour qui passé yo après Égypte à Qatar secrétaire d'état Blinken a mis tête pour Israël côté il pour discuter négociation sous otage plan pour territoire Gaza après la guerre avec possibilité pour Israël établir relations diplomatiques avec les pays arabes. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Nous retournons dans le point chaud actualité dans le pays d'Haïti, côté grand pile levé campé, anti-gouvernemental, côté manifestant demandé départ. Et Premier ministre Ariel Henry, et il y en a fait très marquant dans la journée ça, c'est BESAP que tu as demandé, le gouvernement a demandé pour particulier avec ZAM, et bien il y en a Pétionville en Aloye au plus près. Là, nous constatons la présence d'agents BESAP au niveau de Pétionville. Et tant qu'on capabouel, eh ben c'était agent BESAPio qui au même prend la rue contrairement à sa gouvernement demandé pour eh ben monsieur BESAPio bien monsieur dame BESAPio pour au même yo particulier non et à quel côté avec ZAM non mais en occasion levé campé ça nous au prend la rue nous tendez Guy Philippe dans Port-au-Prince dans Pétionville et mouvement yo a continué restez branché sur VOA Creole parce que ou ka joindre toute dernière information sur plusieurs sites que nous gagnons que c'est sur VOA Creole que c'est sur l'autre page nous ou joindre dernière information moi c'est Jacques Belizère bonsoir merci Rob McLean merci et Fred Kaimit merci gentil bonsoir.